L'une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un avantage réel dans la bonne utilisation des ressources de ces nouveaux produits ou pas? Et effectivement, enfin, je note que toujours les données qui circulent sur l'élevage, quand on parle d'élevage et climat-environnement, on ne parle que des émissions, systématiquement. On ne parle pas du stockage, on ne parle pas des aménités positives, et il y en a beaucoup. On ne parle que de l'ACV, on est ici très critique sur les ACV, c'est une partie du problème seulement. Et si vous prenez en compte le stockage du carbone actuellement par les prairies, notamment, si vous prenez en compte un certain nombre d'aménités positives, vous avez une vision complètement différente, vous changez complètement votre jugement. Pour un certain mode d'élevage. Il devient du coup un atout pour l'environnement. On avait dans cette salle une discussion récemment avec l'examen de travaux de CIRAD sur des systèmes extensifs dans le monde. Et quand même, les systèmes extensifs dans le monde sont nombreux. Le bilan carbone, d'ailleurs, était un bilan carbone qui était équilibré. On peut avoir ça. Donc la question se pose absolument à tout le monde. On y reviendra. C'est assez fondamental.